C'est l'heure de vous informer, mesdames, messieurs. Bienvenue sur votre chaîne Léondio Léo. Ouvrant cette édition à la primature où le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde Kengé a reçu tour à tour le directeur des opérations de la Banque mondiale et l'ambassadeur de la Suisse accrédité en République démocratique du Congo. Ils ont échangé sur les questions liées au partenariat lien de deux institutions à l'État congolais. Suivez tour à tour Christophe Carré et Roger Dander, plus de précision. Nous avons discuté du partenariat en cours entre la République démocratique du Congo et la Banque mondiale, du portefeuille existant des projets, des priorités du futur gouvernement et de la manière dont la Banque mondiale peut accompagner ces nouvelles priorités. Nous sommes revenus bien entendu sur les secteurs sociaux, puisque c'est une des priorités du chef de l'État. Vous savez qu'on appuie déjà la gratuité de l'enseignement dans le secteur primaire. On est revenu bien entendu sur la question de la stabilisation de l'Est, où on devrait pouvoir contribuer avec un nouveau projet de stabilisation qui va venir en aide aux communautés dans les endroits où les ex-combattants se démobilisent. Et puis bien entendu, on a abordé la question très importante de la gouvernance et des discussions qui ont commencé sur un possible programme avec le fonds et un possible accompagnement de la Banque mondiale à ce programme. Très préoccupé par l'amélioration des conditions de la vie de la population en ce qui concerne la fourniture en énergie électrique, le formateur du gouvernement de l'Union sacrée de la Nation a échangé avec le directeur général de la SNEL sur le vandalisme sur son réseau électrique, particulièrement au Katanga, au sorti de son entretien avec Jean-Michel Samaloukonde, Jean Bosco Kayombo, s'est exprimé en ces termes. Son Excellence le Premier ministre, quand il a appris que la SNEL était victime des actes de vandalisme sur son réseau électrique, particulièrement au Katanga, où pratiquement chaque jour, il y a des inciviques qui sont en train de voler les cornières, de voler les conducteurs en cuivre. Et cela risque même de mettre en péril la fourniture d'électricité et à la population et aux industries minières et avoir un impact très néfaste. Et le Premier ministre a jugé utile de nous faire venir pour que nous lui donnions des amples explications de façon à lui permettre de prendre justement des mesures pour accompagner la SNEL de façon à ce que nous puissions résoudre le problème pour que nous puissions assurer la continuité des services. Quittons la commune de la Gombe, direction la commune de Lingwala, où le speaker de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mbosokoudia, a échangé avec les présidents de la centrale électorale, Corné Nanga Yebeluo, sur le rapport du processus électoral par la période de 2012 à 2019. Il a été convenu que la Commission électorale nationale indépendante puisse présenter son rapport général devant les élus nationaux au cours de cette session du mois de mars. Comme nous le savons, la session parlementaire a été ouverte le 15 mars dernier et un débat républicain est en cours en rapport avec les réformes électorales et le quatrième cycle électoral, donc le quatrième cycle électoral qui va nous conduire aux élections de 2023. Ce débat républicain mérite que la CENI vienne donner des éléments à la représentation nationale.
Et parmi ces éléments, c'est entre autres l'audition du rapport général des élections qui part, plus du processus qui part de 2012 jusqu'à 2019, mais aussi donner des recommandations en termes de perspectives pour les réformes qui se préparent. C'est tout, c'est de cela qu'il était question. Nous avons donc retenu la date du 9 avril prochain. La CENI devra présenter son rapport général à l'Assemblée nationale, conformément à l'article 28 de la loi organique de la CENI. Les échanges d'expérience entre les femmes députées et celles qui aspirent aux fonctions électives étaient au menu d'une matinée politique organisée par le bureau de la SENCO en charge de la liaison avec le Parlement, plus de précision dans ses commentaires. Pour répondre à la demande de femmes parlementaires formulée aux évêques membres de la SENCO, le bureau des liaisons avec le Parlement de la SENCO a organisé le mercredi 31 mars 2021 dans la salle de réunion du centre interdiocésain une matinée politique d'échange d'expérience entre le député femme élue et celle aspirante à la fonction élective. Le directeur du BLP SENCO nous donne la bulle de formation dispensée autour de la matinée. En recherchant une plus grande implication de la femme dans les processus décisionnels, notamment il nous faut beaucoup plus de femmes élues lors des prochaines joutes électorales. Mais aussi déjà maintenant, on doit se battre pour qu'il y ait beaucoup plus de femmes nommées. Alors pour tout cela, il faut des stratégies. Et celles qui sont déjà élues ici ont échangé avec leurs sœurs qui avaient raté en 2018, mais pour qui les perspectives peuvent s'annoncer meilleures pour les prochaines élections, autour des stratégies, des succès. Et vous avez vu que ça a été précédé par une coach à succès qui a expliqué les fondamentaux sur l'art de la réussite et du succès en général. Le BLP les accompagne déjà, c'était une promesse de notre secrétaire général. Dans cette même salle, M. l'abbé Donatien Chollet avait reçu une délégation des femmes élues provinciales. Et à cette occasion, les femmes lui avaient demandé l'accompagnement de la SENCO pour le renforcement en capacité et aussi leur implication dans l'agenda 2023 de la SENCO. Et le secrétaire général leur avait promis cet accompagnement. Et ça se fera au travers des services d'église comme les BLP, SENCO, la Bureau de l'Avenir des Parlements, mais aussi la Commission épiscopale Justice et Paix qui pilote justement l'agenda 2023. 6 heures durant, les femmes ont été richement nourries en coaching par deux experts. Madame Roselyne Toumba, une des intervenantes, parle de son intervention. Sur la réussite, le succès, oui, mais comment? Parce qu'à l'occasion de la clôture du mois de la femme, les femmes qui étaient candidates en 2018 et qui ne sont pas passées, il était important que nous puissions leur parler de mécanismes ou des caractéristiques que chaque candidate doit savoir pour qu'elle puisse réussir son scrutin prochain. Dans mon métier de coach à succès, je me suis mis d'abord à observer celles qui ont déjà réussi, des parlementaires, celles qui ont déjà réussi et ressorti quelles étaient les caractéristiques qui leur ont permis de se hisser là où elles sont arrivées. Particulièrement dans un monde à dominance masculine, comment elles se sont distinguées pour se hisser et arriver là où elles sont arrivées. Et c'est à partir du sens de l'observation et de poser des questions à celles qui ont réussi que nous avons sorti quelques mécanismes et caractéristiques pour transmettre à celles aussi qui veulent réussir. Par exemple, il y en a qui avaient certes la passion, elles avaient la conviction, mais elles avaient des mauvaises stratégies. Alors, nous leur avons montré l'importance d'avoir un bon plan et des bonnes stratégies si elles veulent réussir pour les scrutins prochains. Les échanges des expériences ont aussi aidé ces femmes politiques dans leurs réflexions. Pour l'honorable Moutinga, présidente du réseau de femmes élues provinciales et nationales, la demande de cette formation résulte du constat fait par les femmes concernant la représentativité de celles-ci dans les institutions. Les femmes parlementaires réunies au sein du réseau des femmes élues, députées provinciales et locales, ont fait un constat amer concernant la représentation politique de la femme dans les instances de prise de décision.
En effet, pour toute la République, les femmes élues provinciales ne représentent que 10%. Ce qui a permis aux élus provinciales de pouvoir solliciter cette formation au niveau de la CENCO pour que les élus provinciales puissent accompagner les femmes aspirantes à pouvoir bien mener la campagne pour une meilleure représentativité de la femme dans les instances de prise de décision au niveau des élections de 2023. En tant que députés, nous l'avons dit, nous ne pouvons que encourager les femmes aspirantes à se préparer, parce que faire la politique, il faut avoir une passion. Ce n'est pas un hasard, on doit aimer ce que nous voulons faire. Alors, pour les femmes aspirantes, nous leur avons demandé d'aimer la politique et d'apporter les changements. Parce que nous constatons qu'aujourd'hui, parce que les femmes sont absentes, les pays ne marchent pas. Nous pensons qu'avec plus de femmes au niveau des instances décisionnelles, nous aurons les changements souhaités. On prit part à la matinée, les femmes députées membres du réseau des femmes élues provinciales et nationales, ainsi que celles membres de la dynamique de femmes candidates. Cette activité est aussi pour la CENCO une manière de clôturer dans la beauté le mois de mars, mois dédié à la femme. Plusieurs autres activités d'accompagnement de parlementaires sont prévues par le BLP CENCO dans les jours à venir. Celles qui aspirent aux fonctions électives étaient au menu d'une matinée politique organisée par le bureau de la CENCO en charge de la liaison avec le Parlement, plus de précision dans ses commentaires. Pour répondre à la demande de femmes parlementaires formulée aux évêques membres de la CENCO, le bureau des liaisons avec le Parlement de la CENCO a organisé le mercredi 31 mars 2021 dans la salle de réunion du centre interdiocésain une matinée politique d'échange d'expérience entre le député femme élue et celle aspirante à la fonction élective. Le directeur du BLP CENCO nous donne la bulle de formation dispensée autour de la matinée. En recherchant une plus grande implication de la femme dans les processus décisionnels, notamment il nous faut beaucoup plus de femmes élues lors des prochaines joutes électorales. Mais aussi déjà maintenant, on doit se battre pour qu'il y ait beaucoup plus de femmes nommées. Alors pour tout cela, il faut des stratégies. Et celles qui sont déjà élues ici ont échangé avec leurs sœurs qui avaient raté en 2018, mais pour qui les perspectives peuvent s'annoncer meilleures pour les prochaines élections, autour des stratégies, des succès. Et vous avez vu que ça a été précédé par une coach à succès qui a expliqué les fondamentaux sur l'art de la réussite et du succès en général. Le BLP les accompagne déjà, c'était une promesse de notre secrétaire général. Dans cette même salle, M. l'abbé Donatien Chollet avait reçu une délégation des femmes élues provinciales. Et à cette occasion, les femmes lui avaient demandé l'accompagnement de la CENCO pour le renforcement en capacité et aussi leur implication dans l'agenda 2023 de la CENCO. Et le secrétaire général leur avait promis cet accompagnement. Et ça se fera au travers des services d'église comme les BLP, CENCO, la Bureau de l'Avenir des Parlements, mais aussi la Commission épiscopale Justice et Paix qui pilote justement l'agenda 2023. 6 heures durant, les femmes ont été richement nourries en coaching par deux experts. Madame Roselyne Toumba, une des intervenantes, parle de son équipe. J'ai intervenu sur la réussite, le succès, oui, mais comment? Parce qu'à l'occasion de la clôture du mois de la femme, les femmes qui étaient candidates en 2018 et qui ne sont pas passées, il était important que nous puissions leur parler de mécanismes ou des caractéristiques que chaque candidate doit savoir pour qu'elle puisse réussir son scrutin prochain. Dans mon métier de coach à succès, je me suis mis d'abord à observer celles qui ont déjà réussi, des parlementaires, celles qui ont déjà réussi et ressorti quelles étaient les caractéristiques qui leur ont permis de se hisser là où elles sont arrivées. Particulièrement dans un monde à dominance masculine, comment elles se sont distinguées pour se hisser et arriver là où elles sont arrivées. Et c'est à partir du sens de l'observation et de poser des questions à celles qui ont réussi que nous avons sorti quelques mécanismes et caractéristiques pour transmettre à celles aussi qui veulent réussir. Par exemple, Iana, qui avait certes la passion,
elles avaient la conviction, mais elles avaient des mauvaises stratégies. Alors, nous leur avons montré l'importance d'avoir un bon plan et des bonnes stratégies si elles veulent réussir pour les scrutins prochains. Les échanges des expériences ont aussi aidé ces femmes politiques dans leur réflexion. Pour l'honorable Mutinga, présidente du réseau de femmes élues provinciales et nationales, la demande de cette formation résulte du constat fait par les femmes concernant la représentativité de celles-ci dans les institutions. Les femmes parlementaires réunies au sein du réseau des femmes élues, députées provinciales et locales, ont fait un constat amer concernant la représentation politique de la femme dans les instances de prise de décision. En effet, pour toute la République, les femmes élues provinciales ne représentent que 10%, ce qui a permis aux élus provinciales de pouvoir solliciter cette formation au niveau de la CINCO pour que les élus provinciaux puissent accompagner les femmes aspirantes à pouvoir bien mener la campagne pour une meilleure représentativité de la femme dans les instances de prise de décision au niveau des élections de 2023. En tant que députés, nous l'avons dit, nous ne pouvons que encourager les femmes aspirantes à se préparer, parce que faire la politique, il faut avoir une passion. Ce n'est pas un hasard, on doit aimer ce que nous voulons faire. Alors, pour les femmes aspirantes, nous leur avons demandé d'aimer la politique et d'apporter les changements. Parce que nous constatons qu'aujourd'hui, parce que les femmes sont absentes, les pays ne marchent pas. Nous pensons qu'avec plus de femmes au niveau des instances décisionnelles, nous aurons les changements souhaités. On prépare à la matinée, les femmes députées membres du réseau des femmes élues provinciales et nationales, ainsi que celles membres de la dynamique de femmes candidates. Cette activité est aussi pour la CINCO une manière de clôturer dans la beauté le mois de mars, mois dédié à la femme. Plusieurs autres activités d'accompagnement de parlementaires sont prévues par le BLP CINCO dans les jours à venir. C'est par ici que nous mettons un terme à cette édition, mesdames, messieurs. Merci de nous avoir suivis et c'était bon.